pour espérer en tout cas entendre une nouvelle fois cette hymne. Bien, il va falloir faire un résultat, Jean-Marc, ici. On va bien sûr tenir au courant les téléspectateurs de l'autre rencontre entre l'Olympiakos et Arsenal, parce que si Arsenal s'incline là-bas à l'Olympiakos, nous on est dans l'obligation tout simplement de s'imposer ici. Attention à donner montée de Pizek. C'est donné dans le dos avec Lewandowski au deuxième poteau et c'est concret. Hein. Ce ballon, Stephen Mandanda. Je ne sais pas si elle touche pas le poteau de Stephen Mandanda, ce ballon. Et c'était Lewandowski qui avait fait la différence. Regardez Lewandowski, ce centre qui va être contré. Il touche pas le poteau, mais il a raison de mettre en corner Stephen Mandanda. Phase de réparation avec ce ballon retourné, bien capté par Stephen Mandanda. Pareil au Götze une nouvelle fois. Diable de Götze. Super contrôle orienté pour éliminer Alou Diarra. Et derrière, heureusement pour nous, il manque complètement sa frappe. Attention, il n'est pas sorti. Attention, il a laissé jouer la frappe. Ah, la faute, monsieur Webb. En l'ouverture du score et la joie de. Oui, ben, je pense Sébastien qui a une grosse poussette, moi quand même. Sur Diawara, de Lewandowski. Regardez Lewandowski. Je suis moins affirmatif sur le ralenti, Lewandowski. Avec Diawara. Le Diawara n'a absolument rien. Il n'y a pas de. Il est un peu gêné avec le bras de Lewandowski. Suleiman est sans portée. Ouais, il n'y a pas une énorme faute. Attention au contre. Et c'est Barrios cette fois-ci, la frappe. Ah, c'est le petit filet. Il ne faut pas lui laisser le ballon à ce Lucas Barrios. Parce que sinon, le Paraguayen risque de nous punir. Et encore une fois, qui a la passe décisive? Je crois que c'est Götze. Et le Paraguayen, heureusement pour nous, qui ne croise pas son tir. C'est pas Götze, ouais. Oui, c'était peut-être celui-là. Attention, derrière, ça va aller très vite. Lewandowski. Il frappe pas. Il a frappé. Lewandowski s'est contré, c'est pas terminé. Avec Pizek. Attention, pas de pénalty, ça part dans tous les sens, arrive. Sébastien. Centre retrait, Lewandowski, la tête. Le pénalty. Il va donner le pénalty. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Ouais, ouais, pied haut de. Je crois et qu'il le va jaune. Donner le pénalty. Regardez, Ken. C'est indiscutable. Est-ce qu'il a donné le pénalty ou pas? Stephen Mandanda. Face à Hummels, ça fait 2 buts à 0, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour l'instant qu'on est en train de vivre ici, à Iduna Park. On n'y est pas, Sébastien, on n'y est pas du tout dans cette première demi-heure. On est battu dans tous les domaines et c'est fort logiquement qu'il mène 2-0. Encore, il y a eu 2-3 actions très très chaudes sans un excellent placement d'Enkoulou. Ils auraient pu mettre déjà 3 buts. Hein. Attention, cette touche qui a rapidement joué. Il a le contre-favorable avec la frappe de Barrios, la remise. Oh, c'est sauvé une extrémité sur la ligne. On est passé tout près du 3-0 avec Mario Götze à nouveau. Bon centre, il est bon, ce ballon. La tête, ah, le but bon. Juste avant la mi-temps. Dans les arrêts de jeu, la réduction du score de Loïc Rémy. Eh bien, l'efficacité, c'est ça. Ouh. L'efficacité du buteur. Seule action et un but. Il est en jeu, Lucio. Il l'a pas vu. Ouais, non, mais il fait pas action de jeu. Hein. Oui. Mais... Oh, ce but qui va faire du bien, qui va relancer. Très joli centre de Mafitano. Et là, il est un peu à la ramasse, le latéral, la première fois. Juste avant la mi-temps. Ça peut nous redonner des couleurs. À moins. Qu'Arsenal vient de nous donner un petit coup de main. Ouais, bon centre, il n'est pas sorti, Waterfaller. Oh, ça va passer au-dessus. Il a failli se faire avoir par son défenseur. Le jeune là qui a bien défendu. Très bien défendu. Excellent centre d'Azpilicueta. Juste devant lui, André Ayou qui va se jeter. Il est tout heureux. Lewandowski, attention à la montée de Perisic. Qui est passé le centre en retrait. La reprise. Oh, qui est capté par Stephen Mandanda. Il met dans les mains. Heureusement, un Gundogan. Avec Gundogan, là, Gundogan nous laisse l'espoir sur ce centre très magnifique. Pizek. Bien attention, Pizek, ouais. Pizek
qui est très très offensif. Attention dans l'axe. Qui ne passe pas long. Côté gauche. Oh, Lewandowski a mis les œillères, l'international polonais. Mais il a quand même été contré par un Olympien. Qui est-ce qui va le contrer? C'est Azpilicueta qui est bien revenu. Fermé la boîte, fermé dans l'axe. Très très bon retour de l'Espagnol. C'est pas loin du poteau. Quelle passe, quelle passe. Pizek, la frappe de Pizek. Quel numéro de... de votre ami là, c'est Pizek. Ouais, mais à l'origine de l'action, un grand numéro. Toujours pas sorti la tête. L'égalisation. Oh, l'égalisation d'Andreiou. Il est tout seul. L'égalisation d'Andreiou, absolument tout seul. Oh, ça change tout pour l'Olympique de Marseille. Encore un but. Et Marseille peut aller chercher la qualification ici en Allemagne. Ouais. Et grosse, grosse erreur de marquage. Regardez comme il va être tout seul, André Ayou. Ils sont tous lobés. Le gardien, on l'a dit, il sort jamais ce gardien. Et André Ayou qui va mettre une super tête, pleine lucarne. Bon, c'est 7 dernières minutes, 7 dernières minutes peut-être. Je vous l'ai dit que j'y croyais encore, Sébastien. Et encore 5 minutes à jouer ici. Bien joué, Mathieu Valbuena. Allez, Mathieu Valbuena qui est passé dans la surface de réparation, la frappe. Oh, le but de Mathieu Valbuena, 3-2. Quel but Mathieu Valbuena qui vient faire la différence, et Marseille qui est à nouveau qualifié pour les 8e de finale de cette compétition. C'est extraordinaire. Quel ce qui est en train but, de se passer ici en Allemagne. Quel but nous a mis dans son pur style. Oh, la revanche de Mathieu Valbuena. Regardez le numéro. Et derrière, une frappe intérieure du pied, pleine lucarne. Oh, le gardien de but est complètement à la ramasse là. Un défaillant. Regardez le numéro de Mathieu Valbuena. À lui seul peut le faire, Mathieu. C'est exceptionnel, Mathieu Valbuena. Et la joie derrière de Didier Deschamps, de Guy Stéphane, le tout le staff, le banc. Il va siffler derrière. C'est terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille, qualification pour les 8e de finale de cette compétition. Marseille qui a fait le travail ici en Allemagne, mené 2-0, il s'impose 3-2 face au Borussia Dortmund. L'OM qui va donc jouer les 8e de finale de cette compétition. Merci Jean-Marc d'avoir commenté cette rencontre en ma compagnie. On se quitte avec ces images de joie du buteur, les deux buteurs, Loïc Rémy et Mathieu Valbuena. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur notre antenne. Bonsoir à tous.